Bonjour, assalamu alaikum. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire un gâteau aux pommes. On va passer à les ingrédients. Pour les ingrédients de gâteau aux pommes, on a besoin de 2 œufs, jouj baïdat. 80 ml de l'huile ou 80 g de zit, zit maïda. 2 caramel à caramel, 2 flans à caramel. 70 g de sucre. 20 g de sucre. Un sachet de la vanille. 8 g de la levure chimique. 8 g de khamira de halwa. 200 g de farine. 200 g de farina. 2 حبات تفاح. 2 pommes. Mes pommes. J'ai pris assez de hamon, jus de citron. J'ai haché, je vais hacher mes pommes. Les œufs. On va mélanger avec le tarab yadawi.
خلطوا بيان السكر البيض الزيت وي à la vanille, à caramel, à coin. On mélange bien aussi. Ici, c'est ma poche de halib, 80 ml du lait. Et de la levure chimique, Amira Khalwa. Je vais mélanger. Je vais rajouter mes pommes. Les pommes chouïa, les hachées, les pommes que j'ai hachées. J'allumais le four à 180 quand j'ai commencé à faire mon gâteau, ma pâte à gâteau. 180 en bas et en haut. Mais tertime le pot. Ma pâte. Donc là, un gâteau. J'ai une pomme, je vais les couper. On ne va pas lever la peau. Thank you.
fin possible. Et j'ai coupé mes pommes. J'ai des amandes effilées, loose. Et je vais le mettre dans le four à 180 pendant 35 minutes à 40 minutes pour surveiller la cuisson. Moi j'ai pris une grosse pomme, mais vous prenez qu'une pomme moyenne. Voilà, il m'a resté des pommes. Je vais faire une tarte. Voilà, le gâteau est cuit. J'ai pris des confitures, j'ai mis 2 cuillères d'eau, 2 cuillères à soupe. Là, je vais mettre un petit peu de mouraba mishmish. Là, j'arrête le four et je vais le mettre 5 minutes. Le four, il ne marche pas. Il est chaud, il ne marche pas. Je vais le mettre 5 minutes dans le four. Voilà, le gâteau, il est prêt. Je l'ai laissé 38 minutes. Et le saha, le raha, le bon appétit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et encore, saha ou raha, et bon appétit.